Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est encore sur le petit jeu que j'ai présenté la dernière fois sur le même concept. Donc cette fois-ci sur la partie 2, et la partie 2 j'avais expliqué que de toute façon ce serait la fin des améliorations, donc j'ai pas touché au jeu, j'ai pas touché au jeu du tout. Et je voulais absolument montrer les améliorations par étape, comme ça on va voir les changements sur le véhicule en fait au fur et à mesure. Que ça change tout simplement. On verra comment il bouge, comment il fait, parce que pareil pour les pics qui s'ajoutent, j'ai tout montré. Même si j'ai regardé des tas de vidéos, vous voyez les changements tout simplement au fur et à mesure à chaque fin. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça qu'on va voir dans la partie 2. On va voir toute la fin des améliorations du véhicule. Donc je vais tout faire. Je vais pas aller jusqu'à améliorer tous les pets, donc tous les animaux. Mais au moins cette partie-là sera faite. Donc on aura vu toutes les améliorations possibles sur le véhicule. Qu'à moins qu'il y ait quelque chose après d'avoir tout maxé. Mais je pense pas. Comment on verra tout ça? On va pas voir aussi pareil tout ce qui est factory, tout ce qui est l'usine tout simplement. Fameuse usine où on achetait des bagues. On va pas voir tout ça puisque c'est pareil, c'est en rapport avec les gemmes, je pense. Donc on va voir ça. Au maximum, évidemment, au fur et à mesure de comment je vais récolter aussi tout ça. Mais je vais mettre en accéléré une bonne partie. Et finalement, on va se retrouver quand j'aurai. Enfin, au fur et à mesure que je vais maxer les choses, on va voir les améliorations. Et je pense qu'on va se retrouver tout simplement à ce moment-là, peut-être. Parce que comme on voit, je gagne pas beaucoup de gemmes sur les fins de niveau. Tout de même, je sais plus, je crois que cette amélioration, non, elle n'est pas disponible. C'était 16. Donc c'était pas grand chose. On peut voir que les améliorations, c'est faisable. C'est faisable de finir assez rapidement tout de même. Donc on va essayer de voir. Peut-être même continuer à regarder des vidéos juste le temps que je finisse plus rapidement. Et donc voilà, je mets tout le reste de la map en accéléré. On se retrouve. Ok, du coup, comme on a pu voir, il y a tier 1, donc il doit y avoir plusieurs tiers. Donc moi qui pensais atteindre le level max rapidement, pas du tout. Le jeu est vraiment bien fait du coup. Donc on va regarder la petite pub et on va voir ce que nous réserve le tier 2 du coup. Ou tier 1, je sais pas comment ils expliquent ça. Ok, du coup, on est arrivé au tier 2.
Et en fait, il faut recommencer le rouleau en entier en changeant de couleur. Donc, je ne sais pas combien il y a de tiers, mais du coup, ça doit être assez long. Le prix doit être assez cher aussi. Donc, on va juste voir ça. On va voir déjà si. Bon, là-dessus, c'est beaucoup mieux. Mais on peut voir que même le fond là, du level bloque avec le nombre de pubs que j'ai pu regarder. Donc là, on va pas chercher. On va juste finir le level et on va aller tout simplement au niveau 10, que je crois que c'est à ce moment-là que débloquer un animal de plus. Donc le jeu risque de finalement être un peu plus long que prévu. Donc on va pas le finir, on aura pu au moins découvrir qu'il y a plusieurs tiers, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc là voilà, on va juste essayer de débloquer la première étoile pour avoir le level de plus tout simplement. Donc ça devrait pas être trop long. À la vitesse où je creuse, ça devrait le faire. Alors, je sais pas combien il y a de tiers, mais je pense qu'il y a le tiers maximum. Il fait comme la pub de tout à l'heure, peut-être des pics enflammés assez stylés. Je pense que ça doit donner un truc du genre. Alors, encore un tout petit peu, hop là. Ah non, j'ai cru que c'était pour m'indiquer que c'était bon, mais pas du tout. Allez, il reste pas grand chose. Voilà, on a débloqué le prochain level. C'est ça qui va être intéressant. Alors, de toute façon, on peut revenir sur les anciens levels. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va regarder le prix des améliorations. Voilà, j'ai pas assez. De toute façon, il doit y avoir peut-être d'autres tiers là aussi là-dessus. Donc, on va aller sur le niveau 10. Et je crois que du coup, il y a un nouvel animal à débloquer. Je crois que c'était niveau 10. Alors voyons voir. Ok. Faut nettoyer entièrement en fait des îles, tout simplement. Donc c'est pas ce qui a été fait. C'est ça le problème. Donc finalement, on va essayer d'aller voir le tiers. On va voir s'il y a un autre tiers, tout simplement, pour les autres améliorations. Donc pour que ce soit. On va voir ici, au moins s'il y a un autre tiers. Et s'il y a un autre tiers ici, je pense qu'il y aura un autre tiers pareil pour le rail. Donc je vais faire tout ça avec les pubs. Je vais éviter que ce soit trop long et on se retrouve après. Ok, du coup on se retrouve, j'ai pu améliorer une bonne partie des choses, donc j'ai fini ces améliorations là, donc on peut voir que c'est le maximum, ça va pas très vite non plus, hein. On a 2600 du coup de capacité, et pareil ici j'ai tout amélioré au max, mais on peut voir qu'on peut continuer à améliorer, continuer à regarder des pubs, donc c'est assez spécial, donc ça va continuer à améliorer du coup, on peut voir que la vitesse du coup de l'engin est assez correct, hein. Je m'attendais à, j'avoue, à un truc encore plus extraordinaire, mais bon. Déjà niveau 10, le tiers bloc. Donc il y a quand même beaucoup de niveaux. Il y a quand même beaucoup de niveaux comme on peut voir. J'ai regardé beaucoup de buffs. Donc ça se trouve, j'ai débloqué quelqu'un. Donc j'ai augmenté. Voilà. La capacité. Donc encore tout se passe avec des gemmes. J'ai regardé quand même 41 vidéos. C'est quand même beaucoup, donc les améliorations, voilà, on a pu voir quasiment tout au max, etc. Donc ça, après, il n'y a pas de grandes nouvelles, hein. Ça risque d'être bleu, etc. Et s'il y a un autre tiers, ça risque de changer de couleur. Et je pense peut-être prendre la couleur pareil que des matériaux, donc peut-être rouge, violet, etc. Donc il n'y a pas de nouveauté extraordinaire là-dessus. On aura pu voir tout ce qui est question de usine, comment ça fonctionne, etc. Mais bon, vu que tout se passe en gemme, le jeu est assez intéressant, mais c'est dommage qu'il n'intègre pas ce système de sauvegarde. Mais ça peut clairement occuper pas mal d'heures. Après, faut pas regarder, s'amuser à regarder les vidéos tout le temps. Sinon, c'est vrai que. On est un peu bloqué quand même, hein. Sans les vidéos, je pense, sans les niveaux 10 là, comme on peut voir que c'est assez long tout de même, je trouve. Donc peut-être qu'il est obligé de regarder les vidéos, sinon ça bloque à un certain niveau. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, cette présentation de jeu, le premier jeu que je présente. Donc si vous aimez bien, j'en ferai d'autres, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.